Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jilou Niamke. J'espère que vous me voyez bien. Bon, aujourd'hui on va s'entraîner, hein. Petit entraînement avant la reprise de la saison. Bon, on va s'entraîner ici, hein. On va s'entraîner ici sur les terrains du Paris FC. Ah là là, j'ai oublié ma balle. J'ai oublié ma balle. Et j'ai trouvé une solution. Bon, entraînement avec Asamoah. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps de ouf. Oh, bon. Du coup, moi, j'avais pas emporté d'habits. T'avais pas emporté d'habits? Non. Du coup, tu m'avais dit que t'étais sans club. Là, t'as signé, du coup. Voilà, j'ai signé. T'as signé où? À Ara. Ici, le Molino. Ouais. Ah, R2? R2, ouais. Ah, c'est carré, hein. En tout cas, entraînement, on va vous montrer ça. Bienvenue dans la voix off. Alors du coup, pour commencer l'entraînement, petit échauffement, on travaille la première touche. J'ai pris cet exercice dans la vidéo de une des vidéos de Brandon. Le but, c'est en deux touches de changer de direction. Et franchement, cet exercice, faut vraiment être précis. Moi, je pensais au début, c'était simple, mais vraiment, c'est faut être précis. Même à des moments, je me trompais. Enfin, cet exercice-là, il est précis, ça permet de travailler la première touche. Il est excellent cet exercice pour travailler la première touche. Après, nous avons fait l'exercice de l'horloge où le but c'était de, en deux touches aussi, de rentrer dans les différentes portes et faire une passe. Là aussi, c'est pour travailler la première touche. Ensuite, nous avons fait un jeu que j'avais fait dans une précédente vidéo où c'est un jeu de, enfin, un exercice de prise d'information où quand le ballon, on me dit ça vient, je dois remettre le ballon une touche, je dois essayer, ou qu'on me dit à gauche ou à droite, je dois aller dans une direction qu'on me dit, ou quand je suis seul, bah, je dois me retourner. En fait, les exercices que l'on fait, j'essaie de faire des exercices qu'on fait en match, enfin des choses qui se passent en match. Là, par exemple, il y a prise d'information, ça, c'est souvent. Donc, du coup, j'essaie de m'entraîner sur ça avec Asamoah afin d'être au point et éviter de faire des erreurs et pouvoir progresser. Ça vient ? Voilà, bien joué. Ensuite, nous avons travaillé les appuis avec un élastique pour pouvoir bien les renforcer. Je donnais des indications soit à gauche, soit à droite, soit devant, soit derrière. Et à ça, moi, je devais les suivre. On a fait ça environ pendant 30 secondes. On a fait deux séries, environ 30 secondes. Et franchement, cet exercice-là, quand tu finis l'exercice là, devant. C'est intense. Continue. C'est vraiment intense. Gauche. Droite. On recule. Gauche. Droite. Devant. Gauche. Droite. Après, nous avons travaillé les appuis avec le ballon.
quand je recevais le ballon, on me donnait une indication, soit je mettais la tête, soit je contrôlais, soit j'allais à gauche, soit je contrôlais, et je devais faire plusieurs touches. On a fait ça. On a fait ça environ aussi, je pense, 45 secondes environ, 45 secondes, deux séries, 45 secondes. Comme avant-dernier exercice, nous avons fait un exercice dos au jeu où le but c'est après une passe de se retourner face au jeu et voilà, avancer face au but. Cet exercice, franchement, bon, moi il faut que je travaille cet exercice parce que là j'ai presque perdu tous mes duels. Après, pour finir, Asamoah, il m'avait dit qu'il avait besoin de travailler ses relances. Donc, du coup, on a pris le mur là, on l'a mis sur le côté, ça représentait un latéral. Il lui faisait une passe, le latéral lui refaisait une passe, il contrôle et il fait une transversale vers moi qui est ailier droit. Et moi, je l'ai contrôlé et je le renvoyais en transversale. Entraînement terminé, hein. Ah, j'ai soif, j'ai bien bu. Bon, j'espère que vous avez bien aimé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Droite. Devant. Super. Oui. Ah, ça s'est coupé. Ça s'est coupé là. Ah ouais. Ah les seins. Non mais on peut attacher un peu. Ouais, on va attacher. Super. Coupé, hein. Non mais est-ce qu'on peut pas prendre le gros là? Pas pour le gros.